Et bonjour Ghoststream, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui sur Ghoststream, bienvenue pour le starter. Très content de vous retrouver après une semaine bien light, un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Content d'animer un nouvel épisode de starter parce qu'il n'y a pas eu de starter la semaine dernière. Et bonjour évidemment à Clis et tous. Je suis magnifiquement bien accompagné, vous allez voir dans quelques instants le sommaire évidemment. On va voir ce qu'a fait l'équipe évidemment. Ce week-end, on va voir aussi le planning de la semaine, évidemment, les news de Ghoststream, quelles sont les nouveautés, ce qu'il fallait pas louper lors de ces dernières semaines, parce que voilà, quelques semaines sans starter, comme j'ai dit, la fameuse météo, évidemment, l'horoscope de la semaine, et pour finir, le top 5 de la semaine, qui en plus cette semaine est thématique. C'est parti pour les starters. Ah, ça a pas arrêté de gueuler. Bonjour tout le monde, bonjour les filles, bonjour mes nonos. J'ai rien fait. Je ne suis pas un élève dissipé. Non. Je sais pas si Chaussette bonjour. Je sais pas si Chaussette a remarqué, parce que du coup, pour sa première, nous avons commencé et nous allons suivre du coup toute l'émission durant les jingles. Nous sommes à Genève lors de la webcam d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est non, vrai. J'ai pas vu. Elle a incroyable. Même pas vu. On est en Suisse. J'existe. Ah ben non, je peux pas remettre, mais tu regarderas du coup lors du premier jingle. Tu feras attention. Nous sommes en plein centre-ville de Genève. Du coup, j'ai fait exprès vu que c'est notre premier starter avec Chaussette. Comment tu vas d'ailleurs? Merci. Je vais bien. Je suis extrêmement fatiguée et un petit peu grognon ces temps, mais je vais bien. Je fais en sorte d'aller bien. Ouais, comme d'habitude, quoi, en gros, bah, nous, ça va, hein, écoute, ça va. Et toi, oui, du coup. Comment ça, comme d'habitude, attends, je viens de... Oui, l'équipe nous revient en forme, là, ça y est. Oui, ça y est, ça y est, c'est moi, je suis plus malade. Ouais. Ça y est. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est bon, j'ai... C'est parce que t'as bu du jus d'orange. Du jus d'orange chouculé. Du jus d'orange. Et ben on y va pour le bifort. Non, Prisme. Non, tu d'abord. Et toi, oui. Comment vas-tu? Bah ça va. Alors, écoutez. Déjà, de 1. On en aura l'occasion pour en parler justement lors du bifort. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce week-end? Donc on va... Mais moi c'était surtout de te demander pourquoi tu as dit comme d'habitude. Bah ça va, comme d'habitude. Non! T'as dit comme d'habitude au fait que je sois un petit peu grognon ces derniers temps et fatigué. Et tu m'as dit, mais comme d'habitude. Allez, le jingle. Allez, salut, hein. Mais non, mais on a l'habitude, c'est du taquinage, bien sûr. D'accord. Allez, jingle. Allez, jingle, les bifans, ouais. Faites attention, nous sommes à Genève. Ouais, c'est pas ouf, c'est mais pas apparemment, il y a un cirque hein, qui s'installe sur la place au centre-ville de Genève. Donc voilà. Je suis contente. Bah c'est bien. Contente. Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end, chers amis? Merci d'ailleurs. On va remercier évidemment les sommes. Merci à Clis encore pour ton 3e mois d'abonnement. Et merci aussi à Killarn aussi pour ton 11e mois d'abonnement bientôt. Léa, non, merci. Allez-y. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Et puis en plus, vous avez déclenché un train de hype, le chat. Merci à vous. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je crois que ça a live tout le temps, vendredi, samedi. Samedi soir, je suis rentré chez madame. Voilà, j'ai passé un petit moment avec madame. On a mangé Burger King devant un petit film. Mmh. Et puis voilà, on est rentré dimanche, on a relive. Et puis voilà. Ça peut leur faire. Bien. Vendredi, j'ai fait un 12h avec Will. Voilà, ah oui, bah en fin de le 12h imprévu. Alors à noter, 12h imprévu. Imprévu. Oui, il n'était pas prévu. Vous avez lancé le live ensemble, mais vous savez pas combien de temps non, ça allait durer. Non. Elle a fait son RP, elle a fini son RP, elle a dit est-ce qu'on irait pas taper un petit peu de ballon sur Rocket League? Et il était 2h30, donc bon. Ça, Will m'a dit. Il faut savoir que quand elle propose un Rocket League à 2h30, je sais où ça mène. Et ça a mené à ce qu'on s'est couché à 8h du matin. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Je le savais. Mais c'était très sympa. D'où est venu le jus d'orange. Voilà.
Ah, voilà. Oui, parce que, ah oui, parce qu'à partir de 4h du matin, 5h, tu réfléchis plus, tu dis tout ce qui te passe par la tête. Voilà. C'est vrai. Déjà 2h30, oui. Généralement, tout ce que tu dis fait marrer chaussette de toute façon, et encore plus après des horaires pareils, hein, justement. Donc, c'est moi, hein. C'est parti de moi, je dors en jambes. C'est elle qui l'a lancé, c'est pas moi. Justement, hein, après 2h30 du matin, t'entends très souvent. Voilà, c'est... Oui, c'est vrai. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle rigolait pour rien, parce que à peine je disais le mot orange, elle rigolait. Bah, la preuve. Voilà, mais oui, encore. Mais la preuve orange. Voilà, la preuve. C'est dingue. Voilà. Mais écoutez, j'ai streamé aussi, j'ai joué, j'ai été promener mon chien, j'ai regardé un film également avec monsieur, et voilà, c'était une bonne journée. Très bien. Un bon week-end. C'est nickel. Parfait. Et toi, Prisme ? Voilà, merci. c'est ça que j'attendais. On attend que tu racontes. Bah non, mais je me suis dit, quelqu'un va me le proposer quand même. Qu'est-ce que j'ai fait samedi ? Je sais plus si. Je suis sorti faire des magasins. J'ai pris un apéro avec des amis samedi soir. Et puis dimanche a été un dimanche sportif avec le Grand Prix du Brésil. Et puis le match de l'Aviron Bayonnais, évidemment. Donc, week-end sympatoche, voilà. Puis préparer le retour en live, parce que je suis de retour en live depuis hier. Donc voilà. Après 2 semaines de pause. Voilà. Magnifique. C'est beau, tout simplement. Voilà. Ce fut un week-end rempli de la bonne manière. Tout à fait. Très bien. Bien sûr. Et Noah, va te faire foutre. Waouh. Waouh. Je rigole pas pour rien, ok ? Il a même pas vu le match de l'Aviron Bayonnais qui a battu Toulouse, quand même. Eh, c'est pas rien, champion en titre, quand même, on les a battus. Allez, quand même. Bon les amis, est-ce qu'on irait pas voir ce qui se passe du coup cette semaine sur Ghost Stream ? C'est vrai ? Avec plaisir. Eh ben let's go. Voyons tout de suite le planning de la semaine. Plaisir. Let's go. Eh oui. T'as un peu de temps, la nuit commence déjà à tomber sur Genève. C'est incroyable. Vu qu'il n'y a que 4 jours et qu'on est 3, vu que j'ai pas mal de choses à dire, je vous laisse le plaisir de. Évidemment, le plaisir. De faire le planning et honneur aux dames. Donc, vas-y, Chaussette, qu'est-ce qu'il y a au planning cette semaine ? Eh bien. Avec le mardi. Avec mardi ? Bah oui, on est mardi. Et bien, une jolie rediffusion de Go Actu juste après nous, rediffusion qui est du mercredi 16 octobre, où je crois avoir été là d'ailleurs, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Animé par moi-même et en chroniqueur, il y avait Aklis, toi-même et Aklis. Voilà. C'était un très bon épisode de GoQ. Si vous regardez bien sûr la suite sur le chat, vous allez vous marrer parce qu'on a passé un super bon moment. Suivi du tournoi Go-Kart, évidemment, avec Prism, Lucky's et The Hugo Geek. Oui. Voilà. Pour demain, donc à 18h30. T'en as rien à foutre que je sois là, en fait. Il y a 2 jours encore, alors je te laisse 2 derniers jours. Laisse-moi, chacun son tour, voilà. Bah écoutez, je vais me faire foutre, voilà. Voilà, elle mange alors, encore, la bonjour, preuve. Ici Wellman. Alors, pour mercredi 6, vous aurez l'incroyable Chaussette et l'incroyable Stronger. Qui prononce la mère sur Sea of Thieves ensemble. Attention, quand je dis la mère, c'est pas la maman. Hein, pas la maman. C'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme. C'est vraiment la mère. Et ensuite, ça sera pour un team streamer. Et ensuite, deuxième team streamer à 21h sur le nouveau Mario Party. N'avez pas de team streamer aujourd'hui, mais vous aurez du team streamer tout le reste de la semaine, c'est ça qui est drôle. Voilà. Et ouais. Exactement. C'est beau. Tout simplement. Jeudi, du coup. Ça va être Pardon. Ils veulent pas que je sois dans cette émission. Je pose ma démission. Ça y est. Je sais plus où j'en étais. Voilà, Mario Party, le nouveau Mario Party en team streamer avec moi-même, évidemment. Lucky's, Mycelia, le meuble et Prism. Voilà. Oh là là, il l'a acheté, il devait l'acheter ce matin. J'ai été chercher ce matin, effectivement. Ça y est,
Ça y est, bah on va se foutre sur la gueule, là, voilà, oui, 21h, ce mercredi. J'espère bien que Bowser va prendre plein d'étoiles encore à Lucky's, bien sûr. Voilà, exactement. C'est bon, j'ai fini, je peux me barrer. Oui, effectivement. Allez, jeudi. Ben, on va avoir un problème, c'est que j'arrive jamais, même avec toute la peine que j'ai envie de tout mon cœur, c'est de prononcer le pseudo de notre première streameuse en chef qui commence par un L, et j'ai pas le envie de l'estropier. Merci bien, donc le Tinta qui sera avec LG Stronger sur un team streamer également sur Fortnite, à 21h jeudi. Eh ben c'est bien. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Et c'est pour beau. Finir, vendredi. Oh là là, il m'a laissé le meilleur. Favoritisme, on m'a dit. voilà, vendredi 8, on finira d'orange. La semaine. Oui, je suis d'orange. On finira la semaine sur un Phasmophobia avec l'incroyable, magnifique, le superbe. Ah oh, oui. Avec Ada et Voliette. Voilà. Petite bon. Session de peur, hein, vendredi soir. Voilà. Ouais, c'est beau. Belle semaine, quand même. Voilà. Ouais. Effectivement. Pour cette que des branches. Que des branchés. Voilà, que c'est des ça, branchés. Effectivement. du saut sur ma semaine off, j'ai envie de pleurer. Ah, mais ça pourra se rattraper, ça. Ah, bébou. On en a vu assez souvent sur GoStream, donc t'inquiète pas. Tu reproposes, à mon avis, 100% ça va revenir. Il y a des chances. Fanfiction entre Ben et Will, faudrait créer ça. Ah, pour une fois, j'accepte. Ah, voilà, dis-donc. Voilà, j'accepte. Et surtout, en plus, Aklis, t'es au courant que LG et moi, on est les deux un peu paumés à ne pas sur du tout savoir comment gérer. Ouais, complètement. Si le bateau flotte encore au bout de 10 minutes, c'est un miracle, hein, évidemment. Effectivement. Effectivement. Quoique, elle va peut-être rester sur la plage à manger du sable. Elle enculée. Va te faire, en fait. Va te faire là. Foutre. Bon. Toi, entendre moi. Oui, il a bien entendu, là, effectivement. Ouais. Bien entendu. Eh ben, on va aller tout de suite se renseigner un petit peu sur ces news de GoStream. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On va s'enseigner. C'est parti. Eh ben, ces news de GoStream, il faut que j'aille chercher parce que je les connais pas par cœur. Oui, bien sûr, Chanef, Knef, bien sûr. Knef. Ouais. On va commencer avec cette annonce quand même importante parce qu'effectivement, il y a les prochains Ghost Games qui auraient dû avoir lieu le vendredi prochain, le 15. Sur Minecraft, du coup, faute de participants est annulée, du coup, on vous annonce ça. Mais quand même, il y aura quand même la 9e édition des Ghost in Games qui aura bel et bien lieu, on vous l'annonce, et ça sera le 20 décembre pour une nouvelle édition sur Worms WMD, donc ça va promettre. Au total, du coup, 10 joueurs s'affronteront du coup dans le même format que lors de la dernière édition, normalement, possiblement avec une meilleure gestion du timing. Ça serait quand même un peu mieux. Du coup, si vous êtes courageux, vous pouvez directement vous inscrire dès maintenant pour participer à cet affrontement. Et la soirée sera cast par moi-même et Lucky's. Donc voilà, évidemment, exclamation Games dans le chat pour vous inscrire, évidemment. Autre soirée aussi cette semaine. Bon, jeudi soir, vous avez bien un live quand même sur GoStream. Mais si vous voulez une double dose, ça sera possible avec l'Atao débat qui fait son retour en direct ce jeudi à 21h sur ma chaîne, du coup, et je serai en compagnie de Mycelia, le Kizé Corvus. Voilà, une belle soirée débat entre amis en perspective, donc ça va être sympa. L'émission est en cours d'écriture, donc. Mais non. Incroyable. 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 L'Atao débat. Et sinon, bah, déjà aussi, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Vous pouvez participer avec nous lors du tournoi Go-Kart dès 21h, évidemment, exclamation Go-Kart dans le chat pour avoir le code. Et, vous pouvez le rentrer même déjà dès maintenant, pré-enregistrer le code et nous rejoindre à partir de 21h30 ou même un petit peu avant si vous voulez vous entraîner aussi également à 21h pour le tournoi Go-Kart nouvelle édition. Donc c'est le plaisir, code. On vous y attend ce soir, je serai accompagné de Lucky's et Hugo Geek, évidemment, c'est le plaisir. Et sinon, quatrième news, GoActu qui revient mercredi prochain, le 13 novembre à 21h pour un troisième épisode. Pour l'instant, le line-up n'est pas connu, mais on vous communiquera ça, bien sûr, au plus vite. Et on vous y attendra, évidemment, chers amis. En tout cas, voilà pour ces news de la semaine. Voilà. Voilà.
C'est pas mal. Très bien. Vous allez participer Non, je sais plus, c'est... Oui, attends. Vous avez participé au Ghostream Games, Will? Je crois que oui. Alors, j'ai participé au dernier, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et tu vas je retenter vais... Je me suis bien fait casser la gueule. T'es parti au combien de deuxième tour, toi, au premier? Ah bah, au premier Directement. dehors. Voilà. Et tu vas retenter, peut-être Alors en vrai, je vais voir mes dispos parce que je sais que mes parents viennent me chercher un peu avant les fêtes de Noël. Faut que je vois si vient pas me chercher le vendredi. Si vient pas me chercher le vendredi, c'est bon. Je serai écoute, là. Let's go. Puis je sais, ça t'intéresse pas aux Worms. Non. On va tenter. Désolé. On aura y a pas de sable. Désolé. Si, il peut y avoir, hein, ça dépend des maps. Bac à sable. Oui, le mode bac à sable, bien sûr. Le mode bac à sable. Elle vient seulement de capter, ça fait une minute qu'on parle de sable. Ça fait deux minutes qu'on parle de ça, je viens de comprendre. Dans son cerveau, il a fait... Bref, on va aller voir ce que vous avez banqué lors de ces dernières semaines sur Ghost. C'est parti pour ce qu'il fallait pas louper. S'il te plaît. Ah, tu veux que je clippe, mais je peux pas clipper. J'ai pas le stream deck qui est efficace. Bah voilà. J'ai pas le bon stream deck, le quiz. Va le clipper à la main, j'y peux rien. Écoute, tu as le temps. À la main, c'est toujours le meilleur moyen. Allez, du coup, ce qu'il fallait pas louper. Tu peux clipper aussi à ce moment-là aussi. Faut retenir l'heure, en fait, tout simplement. Il y aura pas mal de clips à faire. Ce qu'il fallait pas louper, évidemment, ces dernières semaines sur Ghostream, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de starter la semaine dernière. On va commencer tout de suite par un clip de moi. Vous connaissez évidemment ma connerie débordante. Attendez, mais c'est où le fanbase là? Oui, vous connaissez ma connerie débordante, et lorsque je déconne, il y en a toujours un pour me suivre et que ça finisse évidemment en fou rire. Oui, sérieux, Spotify a mis du Hélène Ségara dans mes oreilles? Y'a trop de gens qui t'aiment! Y'a trop de gens qui pètent! Mais tu ne le sens pas! Tu ne sortiras pas dans les... Le sommeil est avec toi! Y'a trop de gens qui pètent! Ah ouais, ça me promet. Et coucou Ben! J'ai eu des infos récemment. J'étais pas malade ce jour-là, apparemment. J'ai eu des infos récemment comme quoi sur le prochain zap de Ghostream, on va peut-être prendre cher. Ah! Et tiens! Parce que j'ai nous pas trois, nous trois, de... je crois qu'on est... Ah, nous trois. Ah oui, ah non, je crois que nous sommes très concernés ce mois-ci par les conneries sur Ghostream. Je crois qu'on a fait fort. Est-ce que j'ai pas l'habitude depuis le début de la saison? Oui, toi, oui. Oui. C'est vrai que... Moi, je suis client. Hein. Je dirais pas depuis le début de la saison, depuis que t'es chez Ghostream, en fait. c'est vrai. Littéralement, aussi, tout simplement. D'ailleurs, faut savoir que chez Ghostream, l'ordre règne toujours. Du coup, chaque chose a sa place. C'est ce qu'on dit toujours. Putain, mais tu vas où? Regarde, Will, il y a une place pour toi. Ici, là. Devant moi. Oh, c'est vrai. Ah, faut que tu termines la session ici, hein. Bah oui. Pas choix, hein. Garde. Parfait. C'est bon. Attends, j'ai pas mis la carte sur le tableau de bord, attends. Voilà. Ouais. Même sur les ça jeux, va, tu l'as bien vécu, ah, Wallman. Ah, moi je suis bien placé, hein, moi ça me va. Hein. Bah écoute, hein, il faut bien des places pour tout le monde. Hein. Écoutez, bah oui, tout simplement. C'est sûr. Bien sûr, effectivement, vous savez que chez Ghostream on aime bien taquiner. Et d'ailleurs, dit-on pas, qui aime bien châtie bien. Et du coup, moi j'adore notre chaussette nationale. Le panneau. Vrai ou faux? Une Suissesse lance un magasin d'épicerie pour vendre des pochons de sable, vrai ou faux? Quel enfoiré de merde! Allez vous faire mettre, les gars! Vraiment! Chaussettes. 1000 balles le flacon de sable, ok? Parce que je l'aurais léché et recraché. C'est plus cher que lui! C'est plus cher que ce que tu me fais. Attends, tout de suite, je dépense ma carte, elle est où? Excusez.
Ah, mais ça devait être... je sais le qui, ça devait être un clip qui devait durer 60 secondes la semaine dernière, qui était en emplacement 3, et du coup... c'est pour ça. Bravo, couillon. Bah, j'y pensais plus, moi. J'y pensais plus. J'y pensais plus, j'espère que les autres, c'est pas ça. Mais en tout cas, vous avez re-eu l'info comme, du GoActu la semaine prochaine, évidemment. Peut-être que Chaussette sera parmi nous. Maybe. Peut-être qu'elle nous fera cet honneur. À part si... ouais, non, ouais. Ouais, je ferai plus d'allusion au sable, c'est promis. Pour qu'elle vienne exprès. Que cela cesse. D'ailleurs, on va continuer avec Chaussette, qui est d'ailleurs la spécialiste pour prendre toutes les phrases au premier degré. Si t'as mis derrière l'autre ce que je pense, c'est horrible, mais ça se trouve pas du tout. Hein. Si c'est pas un 69 derrière l'autre, je suis très déçu. Oh, tu vas être déçu, je pense. Ça t'as mis la taille de ma bite, par exemple, te connaissant, t'aurais pu. Donc, quoi mais il la connaît. De quoi? Non, mais attends. Attends. Non, la phrase, la taille de ma bite, pas un chiffre. D'accord, oh là là. Ça s'arrange pas. Bah quoi? Ça s'arrange pas. Comme il l'a sorti si naturellement, c'est la taille de ma bite. Ouais, mais je c'est logique, me suis dit bon, je connais très bien le quiz, mais il y a des limites quand même. Mais je sais pas. C'est pas peut-être quand je vais que à Bayonne, vous avez des discussions profondes. Bah peut-être. Chacun sa vie. Bah je fais pas ça. Je compare pas ma bite même avec mon frère. Non mais oh, quand même. On n'ira pas au-delà du caleçon. On s'est vu en calbut avec le kid, mais on n'ira pas au-delà. Voilà. Chacun ses limites. T'en dis trop. Oui, j'en oula, dis trop. Oui, et quand c'est trop, oui, c'est trop picot. Et d'ailleurs, elle participe aujourd'hui exceptionnellement à l'émission, mais je crois que d'habitude, elle la regarde pas. Par exemple, on fait quoi encore tous les lundis, il y a le Go Back qui nous montre qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé les semaines précédentes. Music Battle. Alors non, ça c'est le starter. Oh, pff, oui. Vous êtes sûr qu'elle est sur la Web TV? Pas sûr. Mais quelqu'un a que. Oh bah. Eh ben voilà. Eh ben bon sport, Miyok, mais merci beaucoup pour ton. Pour ouais, ton... merci pour le ton raid. Voilà. Ouais. C'est bon, tu vas connaître le starter maintenant. Désolé, oui, bah voilà, exactement. Maintenant j'y ai participé, je pourrais dire le starter chaque début de semaine. Voilà, évidemment. Et pour terminer, on va terminer avec un clip masterclass parce que du coup, à défaut d'avoir un music battle, d'avoir eu un music battle la semaine dernière, le Kiz nous a quand même animé une édition exclusive pour moi et Mycelia avec des chansons quand même de qualité. Y a pas à dire quand même. Mamma mia, let me go. J'ai trop mal au ventre. Oh mais mon Dieu. Oh, j'ai mal. C'était quelque chose, hein, franchement. Incroyable. Cette soirée incroyable, franchement. Blind test, bien sympatoche. Et voilà ce qu'il fallait pas louper pendant ces dernières semaines. J'espère que ça vous a plu. Oui. Chaussette a pris pas mal. Oui, ravi. Certainement. Ravi. Et c'est pas fini. Arrête de spoiler. Super. Arrête de spoiler. Arrête de spoiler l'émission. Bah oui, on reçoit Chaussette quand même. Faudrait pas la faire fuir quand même. Allez, on continue tout de suite avec la météo. Tu connais le jingle de la météo ou pas? La météo de Prisme, c'est pas ça? Non, c'est pas celle-là. La météo de jingle. Voici la météo de Prisme. Prisme, le mec super beau, te dit si il fait beau. Aujourd'hui, du soleil, demain de la pluie, de la neige et nuages. Nuages. Il l'a dit très bien. Vas-y, refais-le. Comme ça, on va le réutiliser. Je sais plus.
Voici attends, la météo. Aujourd'hui, attends, la météo de Brice. Après, le mec j'ai pas beau, les mots. Qui dit qu'il fait qui bon. Fait beau aujourd'hui du soleil. Demain de demain, la pluie. De la pluie. De la neige et des nuages. Faut clipper ce moment aussi également. C'est incroyable. Je m'en fous, le dernier starter de la saison sera ce moment-là. Ouais, ça sera ce moment-là pour la météo, ça va être quelque chose. Eh ben, on va voir du coup ce qui, quelle est la météo d'aujourd'hui. C'est pas ça que je voulais mettre. C'était ça. Voilà, que j'ai cherché aussi le texte qui est assez court parce que du coup aujourd'hui il y a quand même eu un maintien d'un temps assez instable et assez orageux, surtout dans le Languedoc-Roussillon et c'est calme un peu partout ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a un peu de brume, même actuellement chez moi, il y a de la brume effectivement. Désolé hein, pour la Suisse, on n'a toujours pas de météo. Bon. Bah. Écoute. Ouais. C'est toujours pas beau là-bas, hein. Quoi bon faire une météo ? Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, demain, ça va peut-être s'améliorer. Eh ben non, parce que les nuages bas se dissipent plus ou moins facilement. Il y a quand même quelques éclaircies qui percent quand même. Et le soleil brille un peu en montagne. Voilà. Mais il y a un peu plus de brume quand même sur le... Comme Julien. Sur la partie du nord. Comment ça ? Comment ça ? Julien le perse. Le, du côté alors, de la vigilance, du coup, voilà. On a seulement des vigilances jaunes orages sur les départements de l'Aude et des Pyrénées orientales. Donc, si vous êtes là-bas, évidemment, faites attention un peu à vous. Bon, on n'est pas au point de l'Espagne d'ailleurs. Grosse pensée, évidemment, sérieusement à l'Espagne, évidemment, qui vit une. Ah bah non, c'est pas la bonne. Mais, mais l'Espagne, force à eux, évidemment, qui vivent des moments pas simples, évidemment. Nous aurons l'occasion d'en parler la semaine prochaine dans Grand Actu, très certainement. Oui, bah, on se doute bien que c'est le ban pour Jus, évidemment. On se doute bien que ça blague de merde. pour la semaine, nous avons jeudi un petit peu de météo avec des nuages bas qui peinent à se dissiper sur la moitié nord. Au sud, il y a quand même une ambiance assez agréable, surtout vers l'Aquitaine et avec quelques ondées orageuse de faible activité concernant le Roussillon. Vendredi, il y a un temps toujours aussi calme au programme, mais encore instable au Languedoc-Roussillon avec des averses orageuses qui atteignent la moyenne vallée du Rhône. Samedi, il y a un anticyclone qui pourrait montrer quelques signes de faiblesse avec davantage de nuages dans la plupart de nos régions et un passage pluvieux au sud-ouest. Et dimanche, un temps calme avec beaucoup de nuages bas et des brouillards le matin, évoluant vers de belles éclaircies l'après-midi. Lundi, le vent d'est pardon, dégage le ciel et les averses restent menaçantes au sud-est. Températures qui seront en baisse normalement. Et mardi, le temps restant calme et sec avec le vent d'est un peu frisqué. Voilà, mais ça a le temps de changer évidemment hein, parce que c'est que semaine prochaine, donc ça peut changer. Côté météo des streamers, yes, j'ai encore fait la connerie de désactiver le truc, mais c'est pas grave. Oui, on dirait le bébé des Teletubbies. T'as vu ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, un petit peu. Comment voulez-vous travailler avec une équipe aussi dissipée ? Peu de sérieux, on va finir l'émission comme ça. Merci. Quelque chose. Hein. merci pour les clips, évidemment. Je crois que c'est l'un des starters les plus clippés de l'histoire de Starter. C'est incroyable. Comme quoi, alors, soit c'est la venue de Chaussette qui fait le clip, soit c'est du fait qu'il n'y a pas le quiz. Ou les deux. On ne sait un pas. Un peu des deux. Un peu des deux, peut-être. Sympa, il peut vous défoncer en deux secondes le patron, hein, si vous l'insultez. Ouais. Du côté de la Belgique, d'Aclis, il fait 7 degrés. Putain, ça caille en Belgique. Hein.
Merci, bon, sans doute un avertissement pour l'animateur. Avec quelques éclaircies, pareil pour chez Anacori, et des éclaircies avec 13 degrés dans la Charente-Maritime. Du côté de l'Angleterre de Banks, 10 degrés avec des nuages, évidemment c'est l'Angleterre, donc on n'est pas étonné. Pour du côté des Voliettes dans les Hauts-de-Seine, pareil, 12 degrés avec des nuages. Pareil pour les Yvelines de l'Otinta, pareil, exactement pareil. Pour Bayonne, chez le Quiz, évidemment 15 degrés avec un beau soleil. Un peu de nuages pour Mycélia dans le Nord. Avec 9 degrés, du brouillard pour moi-même, du coup, avec 14 degrés. Pour Chaussette, du coup, en Suisse, 7 degrés avec quelques éclaircies, tu confirmes ? Ça caille le cul. Évidemment. Et 14 degrés avec des éclaircies du côté de chez Will, tu confirmes aussi ? Non, j'ai les fenêtres de fermées. Ah d'accord, ok, merci. C'est sympa pour l'info. Du côté, ouais. Du côté des Golds à Boulogne-Billancourt, du côté de chez Corvus, 12 degrés avec quelques nuages, 16 degrés et des éclaircies pour Jay Pasquill à Nice, en Seine-et-Marne avec LG, 11 degrés avec du brouillard, 7 degrés avec des éclaircies du côté de chez Mévisco dans la Moselle, du côté de chez Mick Piette et de The Hugo Geek du côté du Pays Basque, 15 degrés avec du soleil. Dans la Val-de-Marne de Saucisson Nature, 12 degrés avec quelques nuages. Et évidemment, pour Bragame à Saint-Nazaire, 14 degrés avec du brouillard. Et pour finir, du coup, cette météo avec l'éphéméride, en ce mardi 5 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Sylvie et aux Zachary. Voilà, c'est la Sainte Chaussette qui nous souhaite ses bonnes fêtes, évidemment. Le soleil s'est levé avec le soleil Banks ce matin avec, à 7h57. Et l'apparition de la Lune à Clis ce soir à 17h47. Ça devrait, bah, c'est normalement, voilà, on est censé voir à Clis. Normalement dans votre ciel. Et la citation de la semaine: je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est. Si tu le sors de la photo de Sainte de ton Instagram, voilà, d'accord, merci. La météo de Prisme, voici la météo, la météo de Prisme. Prisme, mec, tu fais beau, te dis si il fait beau aujourd'hui. Du soleil, de la pluie, de la neige, des nuages. Clis, chez lui, il est en mode man. Oh, joli! Bah oui, bah c'est juste la Gouic XLR en fait. Je peux parler comme ça si je veux. Ça fait tout drôle, hein? Ouais, ça fait tout drôle. Bon. Bref, je vois la lune à Clis perso. Oui, parce qu'il a retiré son pantalon. Oui. Du coup. on va se. On va se renseigner avec. L'horoscope, du coup, qu'est-ce qui se passe dans les astres, et c'est Will qui va vous renseigner là-dessus. Est-ce que tu fais tout ou... Tu veux partager ? On peut partager, non ? Allez, moi, je suis d'humeur partageuse. Eh ben, tu envoies le lien que je t'ai envoyé à Chaussette, mais il faut lui expliquer où aller. Mais vu qu'on d'accord. est en avance, on a le temps. Putain. Voilà. Oh putain, bah alors ça, c'est pas grave. Ouais, on est vachement en avance. Mais c'est parce qu'on kiffe. C'est pas grave, on fera une after, on fera une partouze à la fin. Je déconne. C'est le début de semaine. C'est le début de semaine dans la tête, ça va pas très bien. Tu cliques dessus, Jus. Ouais. Tu cliques sur le lien et tout en bas, tu vas dans la partie horoscope. Une fois que c'est ouvert, tu vas tout en bas, il y a marqué horoscope là. Pourquoi tu prends ces voix là ? Parce que j'ai envie. Bah j'ai cliqué horoscope, ouais. Là, tu vois tout l'horoscope là. Ouais. Bah vas-y, viens, on en fait un chacun. Donc vous vous arrangez, vous faites 6-6. Ferme-la. Tu commences. Vas-y, commence. Non, toi, tu commences. Ah, d'accord, je commence. En attendant, on met le jingle en attendant. Quand je fais la voix aiguë, je fais Marie-Thérèse Porchet, c'est marrant. On y va. Attends. Mais oui. Alors, qui c'est qui commence avec le bélier? Avec le bélier. C'est toi, et puis ensuite on passera avec les... Bah c'est marrant, ça sera avec les balances du coup qu'on commencera avec Chaussette. D'accord ? C'est vrai. Allez, les béliers donc, avec... Du coup, petit horoscope de la semaine. On commence par les béliers. Oui. On commence par les béliers. En amour, vous avez une belle complicité avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, une rencontre est possible. Au travail, des défis sont à relever, mais votre énergie vous aidera à les surmonter. Et la santé, attention à ne pas trop forcer. Prenez du temps pour vous. Toi, Jus. Ah, vous avez fait comme ça. Ah, d'accord. Okay. Vas-y, viens, on fait comme ça. Ouais, vas-y. Mais du coup, je vais au taureau, là.
Oui, c'était bien. En amour et des tensions peuvent survenir, soyez ouverts et à l'écoute, attention au travail. Vous avancez bien, des opportunités intéressantes pourraient se présenter à vous. Et bien sûr, du côté santé, évitez les excès et maintenez un rythme équilibré, évidemment. Merci. Ça me concerne tout à l'heure. Pour les Gémeaux, notre chère chaussette, apparemment les Gémeaux. Oui. Amour, charme et séduction sont au rendez-vous, des moments agréables en perspective. Le travail, votre polyvalence vous aidera, mais attention aux distractions. Santé, vous êtes au top, profitez-en pour être actif. Et mangez pas trop de gâteaux. Voilà. Je fais que de bouffer. Et de sable aussi. Sans reculer. D'accord. Pour les cancers. Le quiz. Amour, des émotions intenses, mais veillez à garder votre calme, c'est important. Au travail, des ajustements sont nécessaires. Prenez le temps de bien faire les choses. Et en santé, vous êtes en forme, mais ne négligez pas le repos. Et côté argent, votre compte en banque est rempli. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai dit côté argent pour les cancers, le compte en banque est rempli. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Ah oui. Merci la vache. Ah ça c'est vrai ça, merci. Côté Lyon. Merci la France. Et ah oui, le aussi, c'est vrai. Côté Lyon, en amour, grande harmonie, les moments à deux sont intenses et complices. Au travail, des défis en vue, mais votre détermination vous fera avancer. En santé, vous rayonnez d'énergie positive, canalisez-la pour avancer. C'est beau. Du côté des Vierges, en amour, un besoin d'équilibre dans votre vie amoureuse. La communication est essentielle, n'oubliez pas. Au travail, une semaine productive avec des résultats prometteurs. Et évidemment, en santé, bonne vitalité, mais ne négligez pas la relaxation. C'est important. Pour les Balances, de belles surprises pourraient raviver la flamme. Au travail, des ajustements sont à faire, mais vous finirez par trouver un bon rythme. En santé, attention aux coups de fatigue. Écoutez votre corps. Et voici pour les Scorpions. Donc, Missalia, sois à l'écoute, s'il te plaît. Passion et intensité au programme. Côté amour, profitez de chaque instant. Au travail, des décisions importantes à prendre. Restez concentrés. Donc, tu démissionnes, Missalia. Côté santé, l'énergie est solide. Canalisez-la pour éviter la dispersion. Des Sagittaires pour Wargame et Mick Pickett. Mick Pickett. C'est bon ? Oui, vas-y. Pour des moments de complicité, écoutez votre cœur. Au travail, de belles opportunités en perspective. Ne laissez pas passer. Oui, bon, ta gueule. Santé, prenez soin de votre sommeil pour rester en forme. Voilà, c'est bon. Aklis, Anna, Hugo, si vous m'écoutez. Côté amour, soyez patient, des tensions peuvent émerger. Attention. Au travail, des avancées notables, votre persévérance est récompensée. Et au niveau de santé, modérez votre rythme un petit peu pour éviter le surmenage. Les Verseaux. Prenez du recul en amour, si nécessaire, pour mieux comprendre vos attentes. Vous vous sentez inspiré au travail, de bonnes idées en perspective. Attention à la santé, attention à la nervosité, pratiquez des activités relaxantes. Relaxez-vous les Verseaux. Hein. Exactement. Pardon, c'était pour le poisson. Côté amour, Banks, si tu m'entends. Des moments de douceur et de tendresse en vue. Bébou. Au travail, votre intuition vous guide, mais restez pragmatique. Attention, Banks. Et Banks. Et niveau santé, bonne vitalité. Prenez-en, profitez-en pour prendre soin de vous. Non, en fait, on sait pas lire quoi. Prenez-en. C'est un bon concept, ça. C'est un bon conseil. Prenez-en. Bébou. C'est quelque chose. Et pas qu'il était poisson, le Banks. C'est pour ça que je l'aime bien. Le Banks. Et ben voilà. Un bel horoscope, franchement. C'est voilà. C'est beau, c'est beau. Je suis accompagné ce soir de personnes qui parlent pas beaucoup. En fait, en vrai, avant de commencer le starter à 17h30, je me suis réveillé à 17h10. Donc je suis encore un peu dans le
Dans le coltard, comme on dit. Dans le coltard. Effectivement. Je pense qu'on a 10 clips ou plus là. Oui, non, mais c'est vraiment le record battu pour. Continuez. Bien continuez. Sûr. Et puis après, évidemment. Il dit oui, je suis accompagné de personnes qui parlent pas beaucoup. C'est comment tout ça? Oui. Alors, certes, qu'il parle pas beaucoup, mais dès qu'il parle, il est très drôle. Ben voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est le principal? C'est d'être casse. La preuve avec ce. C'est un bel enchaînement, puisque du coup, on va les regarder avec. On va les regarder ce top 5, tout simplement. C'est vrai? Oui, vous voyez, il fait nuit maintenant, actuellement, à Genève. Effectivement, Aklis est arrivé sur Genève. Confirme. Évidemment. Ouais. Aklis est arrivé sur l'Europe, effectivement. Et ben, comment définir ce top 5 si sympatoche, puisque ce starter déjà est unique par le record que nous venons de battre avec le nombre de clips. Il est unique du fait que le quiz est pas là, mais est surtout unique du fait que Chaussette est avec nous pour la première fois dans ce starter. C'est vrai. Donc du coup, que diriez-vous d'un petit top 5 spécial Chaussette, uniquement Chaussette. Quoi? Oh non. C'est maintenant. C'est tout de suite sur vos écrans. Top Let's 5, spécial Chaussette Ju. Ah, il y a 3-0. Ah, il y a 3 minutes 17 encore. Allez, on peut le faire, les gars. On n'est pas des tubs ici. D'accord. J'ai pas le bouton combien moi ici. Combien? Je le fais à la main. À la voix. Bon, en vrai, j'avais commencé à retaper ma petite maison là. Parce que j'avais tout vidé et nettoyé parce que je trouvais ça immonde. T'es mal à ça. Combien? Putain de merde. Allez, on y va. Ouais. Ouais. Sinon, j'aime bien le sable. Ouais. Ça, on savait. On le voit à ton pull. Ça, c'est pas une fake news. Ça, faut clipper, hein, s'il vous plaît. Ça, voilà, ça, voilà. Vous êtes sûr. Non, c'est pas nécessaire, le quiz. Y a pas de télescope, les gars. En fait. Donc, mon petit plan de... Je vais l'enculer, ce tronc. Mon petit plan de faire un coin astronomie ici, tout pipou, avec un pouf et un télescope, et... Regarde! Les lucioles, c'est peut-être... Je sais pas ce que c'est, mais ça bouge. Je voulais mettre un télescope pour regarder les étoiles. Est-ce qu'elle est jolie, la voiture? Bah... Ouais. C'est pas ce que je conduirais, mais... Oui, bah tu viens pas conduire une Formule 1 dans la vie de tous les jours. C'est vrai que pour les créneaux, ça serait un peu la merde. Bah non, mais c'est joli, mais c'est pas... La taille de la voiture, tu m'étonnes. Tu la conduis pas, celle-là. Et moi, j'ai l'habitude de maîtriser les gros calibres, oui. Ok. Non, mais une voiture de Formule 1... Oui, bon... Aïe. Ah. C'est quoi la suite, Prism? Quoi? C'est quoi la suite? C'est bon, hein? C'est... Ah ouais, voilà. C'est bon. Je pense qu'on a eu notre dose là. Ah oui, vous avez votre dose de chaussettes, oui. Je suis cringe. Je suis cringe à moi toute seule. C'est pour récompenser ta première venue dans le starter. J'espère qu'il y en aura d'autres, quand même. Ouais. Enfin, pas tout le temps des spéciales à chaque fois que tu viendras, mais bon, on voulait fêter ça quand même. C'est tout un art d'être Chaussette, oui, c'est tout un art d'être moi, et c'est compliqué, oui. Moi, ok, bien si sûr. Vous voulez que je vous en parle. Eh ben, on arrive à la fin de cette mission, du coup, et déjà, mais on est un petit peu en avance, quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Eh ben, on peut papoter, hein. Ben, on peut papoter, effectivement. Vous voulez raconter quoi? On peut papoter. Faire. Voilà déjà ça. Waouh. J'ai pas eu le temps de mettre la réverb. Je suis déçu, choqué.
Pierre-feuille-ciseau. Oh, vas-y, on se fait un pierre-feuille-ciseau. Le problème, c'est qu'on est trois. Imagine, chacun fait un truc. Non, on fait chacun s'affronte et une finale. Oh, ça va être long, ça. Les Ghost Stream Games. Pierre-feuille-ciseau. Des Ghost Stream Games. Rappelle certaines news. On peut, ouais. Pourquoi tu me le dis pas vocalement, connard? Flemme. Merci. pour rappeler effectivement certaines news. Genre celle-ci, les Ghost Stream Games, évidemment, inscription ouverte dès maintenant. Si vous voulez vous inscrire, bon, il y a le temps. Hein, vous avez pratiquement un mois et demi, deux mois, même voire. Donc, let's go, exclamation games, évidemment, le kit vient de le faire. Vous avez aussi un rappel, évidemment, la Théo Débat qui se fera après-demain, du coup. Compagnie de Mycelia, Corvus et de cette salope de Lucky's, évidemment. Toujours un plaisir. Putain. le tournoi go-kart ce soir à 21h. Exclamation go-kart si vous voulez nous rejoindre, évidemment, ce soir à 21h. Accompagné de moi-même, Lucky's et de Hugo. Et puis évidemment, Go Actu la semaine prochaine, le retour avec plein de news intéressantes, des petits jeux. Et voilà. Pourquoi ils sont morts de rire enfin. Non, mais non, c'est elle, hein. Moi j'ai rien fait. Hein. Pourquoi tu rigoles toute seule comme une folle? Elle vient de faire une commande de sable, elle est contente. Mais quel bâtard! Va bien te faire foutre! C'est parce que je t'aime, ça, chaussette, que je rigole. Oui, c'est cela, oui. Oui. Bah, oui. Le rire des marins. Ah oui, clairement. Ça, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment la Clio 2, un dimanche matin de décembre. Arrête-tu! M'arrête-tu! J'adore ton rire. Mais j'adore son rire. C'est très atypique, moi. Je déteste les rires normaux d'ailleurs, parce que de toute façon moi j'ai pas un rire normaux déjà donc. Mais j'adore ce rire. Normal. T'as pas un rire normaux Oui, normal, bon ça va. Je me fais mettre oui, en place ça va, pour la toi. Suisse. Ça, oui, ça va, très bien. Écoute, voilà. Non mais c'est. Mais tu sais qu'à part ça, ce trait de particularité chez moi m'a été fortement reproché toute ma vie. Hein. C'est-à-dire que même des personnes avec qui j'étais, en lieu public, me disaient « Mais chut, arrête de rire !» Bah, c'est des connards. Etc. C'est des connards. Ils savent pas apprécier la qualité. Ils savent pas apprécier la qualité. Ils savent pas ce qui est beau. Voilà. C'est vrai. Voilà. Je mange des palmiers, mes nounous. Voilà. Vous pouvez discuter avec nous, poser des questions à nous, si vous voulez, il nous reste 8 minutes encore un peu. Poser des questions à nous. Poser des questions aux streamers, les amis, si vous en avez envie. Ah non, les streamers. Non. Je répondrai à tout, évidemment. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute. Je répondrai à toutes les questions, évidemment. Sans aucun tabou. 15 cm. Oh, waouh! À quand du Pokémon sur la chaîne? Oula! Sur Ghoststream? Oui. Will, tu Pokémon. Peux. Pokémon? Eh ben, faut pourquoi, demander pourquoi, à Will ou Evolien qui sont les spécialistes pourquoi Pokémon. Moi pourquoi moi? Bah, je sais pas. Moi, je suis multigaming, moi. Multigaming seulement sur Ghoststream, parce que. Ah oui, c'est vrai. Ah non, si, t'as fait des monsters hier. Oui. Voilà, donc du coup on peut plus rien dire là maintenant. En vrai ça fait quelques semaines qu'il est multigaming, j'ai perdu mon Wellman aussi, Pokémon. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe-t-il c'est... Wellman, tu veux en parler? Non, en vrai je peux le dire, c'est que Pokémon, on est dans une phase de Pokémon où ça m'énerve et j'ai pas envie de... En fait c'est soit j'arrête de stream pendant un certain temps, soit je fais autre chose. Soit je lance plus ma chaîne ou soit je fais autre chose, donc je préfère faire autre chose. Écoutez, voilà. C'est bien de varier aussi de temps en temps, ça évite de se lasser. Justement, c'est bien. C'est fatigant. Ouais, chaussette. Bah je varie moi. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait d'autre que du RP sur ta chaîne? J'ai jamais vu. Alors toi t'as vraiment une sale gueule hein, parce que je fais plein de trucs hein. Je fais du Plectel, je fais du Rocket League, j'ai fait Outer Wild, j'ai fait plein de trucs, hein. Je fais pas que du RP. Hein. C'est vrai, je suis témoin. En tant que modérateur sur cette chaîne, je suis témoin. Voilà. C'est beau. Je témoigne. D'autres questions? À quand du Eden Ring, chaussettes? Non. Alors tu vois par exemple, ça,
Ça, hop là. Ça n'existe pas. Banne-le. Ce message n'a jamais existé, je ne répondrai pas à cette question. Question suivante. C'est vrai, ça, j'ai rejoint Ben vous dans une, la grande aventure. De LOL, non, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je regarderai peut-être ça en replay. Effectivement, lorsqu'il nous avait parlé de, d'un Ego Actu, évidemment, qui était très intéressant. Mais je me rappelle plus que c'était là. Mais non, j'ai pas vu la cérémonie des Worlds de LOL. Oh, moi, je suis pas assez adepte de LOL pour regarder ce genre de choses. Mais ça devait être quelque chose. À quand du LOL sur GhostStream ? Il y en a déjà eu, hein. Il y en a plus, mais il y en a déjà eu, hein. Il faut demander aux spécialistes de LOL, hein. Il y a longtemps, il y en a eu, hein. Pas, long, pas beaucoup, mais il y en a eu. J'y travaille. Ouais, 20 minutes. Non, plus que ça. Comment ça, j'y travaille ? Il y a eu un ou deux créneaux, mais pas plus. Ça, c'est sûr. Voilà. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Nous avons encore pas mal de Profitez-en. Temps. Profitez-en. Profitez-en, il est que 18h. Qu'est-ce que... Attendez, et le chat. Qu'est-ce que vous, dans votre petit être, vous aimeriez nous demander ? Vraiment. Posez-vous la question maintenant. Ouais, ouais, voilà. Dis, bah tiens, je j'ai jamais eu l'occasion de poser cette question-là à ce streamer-là. C'est ça. C'est le moment ou jamais, hein. C'est la partie interview qui a jamais été adaptée dans le Vous dans avez le 7 minutes. C'est vrai. Eh ben, vous avez le temps, vous avez 7 minutes pour poser la question de votre choix à votre streamer. Pas forcément préféré, mais... Un camp à un stream au top sur GhostStream. Alors, problème c'est qu'il faut... J'adore la dernière question qu'on va poser juste après. Mais... Live Hot Tub, bah non, il fait pas assez chaud pour en faire un. Il y a pas beaucoup de personnes qui ont des hot tubs chez GhostStream, mis à part moi. Je crois que personne d'autre a des jacuzzis. Tu sais pas ce que c'est. Un jacuzzi. Une piscine. Un jacuzzi qui fait des bulles. Enfin, une piscine gonflable qui fait des bulles. Pourquoi il dit pas un stream jacuzzi ? Que ça s'appelle Hot Tub ? Oui. Tout simplement. Vous êtes bizarre hein, quand même en France. Sinon, question en direct de la Belgique, le sable ça a quel goût du coup ? Je sais pas, tu veux pas y répondre Prisme ? Bah j'ai jamais goûté moi. Moi non plus. Ah ouais ? Bizarre, j'ai vu une photo qui atteste le contraire la dernière fois. C'était peut-être un fake news. Peut-être. Ouais. C'est une photo faite par IA. Gros tub, on a bah, mais pas au tub, sympa le quiz, merci. C'est la catégorie sur Twitch je crois, oui c'est ça. Catégorie hot tub, effectivement. Mais c'est en anglais en fin de compte. Je crois que jacuzzi se dit pas en anglais, je crois. Ça se dit hot tub. Comment ? Hot tub. Do you have a perfectly accent in English, Prism ? Yes, I have. On vient. Je comprends. Les bites chaudes. Les bites chaudes. Oui, bien sûr. Et points de chaîne, hein, ouais, évidemment. Ouais. Puis vous, les gars, est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous C'est à quoi quelqu'un le jeu que vous voudriez faire prochainement sur votre chaîne perso ou GhostStream Chaîne perso. Un jeu. Réfléchissez aussi. Si vous avez la réponse, vous deux, allez-y. Bah moi Ben m'a lancé sur l'incroyable licence Monster Hunter et j'espère bien qu'on continuera à jouer à Monster Hunter ensemble. Voilà, je prends un pied fou sur Monster Hunter, et qui plus est en compagnie de mon très cher Ben. Donc je pense que sur ma chaîne perso, va y avoir du Monster Hunter. C'est beau. À profusion, va y en avoir. Encore plus vers le mois de février, étant donné qu'il y a le dernier Monster Hunter qui va sortir, je compte bien l'acheter pour en faire. Voilà. Beau. Chaussette. Un jeu en tête. Pas particulièrement, honnêtement. Non. T'as peut-être pas un jeu qui te fait envie que t'aimerais bien tester, je sais pas. Non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Après, je suis quelqu'un de d'ouvert d'esprit, je le précise, puisqu'on m'a déjà reproché. Donc, je pense que je vais trouver quelque chose. Ouais. Je sais pas quoi. Moi, je sais qu'il y a de nouveau Life is Strange qui vient de sortir, que ça me tenterait bien de faire un petit... Ah oui, faut que je le fasse aussi. Tu ah bah tiens, voilà. Ça c'est... Ouais, voilà, ça c'est une licence que j'aimerais bien faire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Voilà. Ah, mais t'as jamais joué la licence. Si
T'as déjà joué au premier Life is Strange? Il y en a eu trois. Moi j'avais joué à celui avec les couleurs et les émotions. Ah non, mais c'est le troisième ça. C'est le troisième. C'est le troisième. Oui, c'est trop color, c'est le dernier. Elle a pas fait le meilleur. Life is Strange 1 ni 2. Non, je les ai pas fait. Mais fais-le. Bah oui, bah mais tu peux arrêter d'avoir ce dédain pour moi quand tu dis ce genre de truc, Wellman. T'as le Kiss qui lance une question, je sais très bien où est-ce qu'il veut aller. Si on parle de jeu ou de concept, évidemment qu'il y a des choses de prévues. Ouais. Bah oui. Évidemment. Bon, sinon, mon jeu, je vais répondre quand même. Bah oui, le premier jeu vraiment que je ferai à 100% sur ma chaîne, ce sera GTA V parce que je l'ai jamais fini à 100%. Quoi? Oui, j'ai jamais fini, j'étais à 5 à 100%. Oui. Très bien. Bah, c'est une bonne idée. Sinon, concept, je dirais juste soyez là en janvier, peut-être qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Oui, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Lucky's, Lucky's qui se lancera officiellement le 5 janvier, on vous l'annonce comme ça, voilà. Le 5 janvier, dimanche 5 janvier, au soir, possiblement. Grande chance que Lucky's relance sa chaîne, il y travaille très fortement, je suis ça assidûment et ça va être très beau, voilà. Magnifique. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes encore les amis, allez-y, let's go, on y va. J'ai trouvé ça chiant moi, Life is Strange. Ah ouais, ça dépend lequel t'as joué. Oh, moi j'ai bien aimé moi. J'aime bien. Les leaks, vous verrez bien. Noah, pour répondre à ta question, non. Le 1. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Pourtant, il était bien, hein, Life is Strange 1. Ouais, il était bien. Un des meilleurs, je crois. Un des meilleurs. Le meilleur. J'ai pas trop aimé le 2. J'ai pas trop aimé le 2. Si, moi, j'ai bien aimé le 2, surtout la scène dans le lac. Putain, je me rappelle plus. Il se baignait tout nu. Il faudra que je fasse. Ah oui, c'est vrai. Super. Allez. Poil. Voilà, bien sûr. Ouais. Eh ben, on va clore doucement cette émission, parce qu'il nous reste plus qu'une minute. Ah, moi qui ai une dernière question pour Chaussette de Benono, là. Même opposant avec quelqu'un, pourquoi je demande premier degré hors blague pour t'embêter? Non, mais même, mais je ne réouvrirai pas. Je l'ai désinstallé, hein. Je ne réouvrirai pas ce jeu. C'est de la merde en boîte. C'est de quel jeu tu parles du coup là? Elden Ring. Ah. Pas mon style de jeu. Donc vous ne me verrez pas jouer à ça, ça c'est sûr. En vrai, je n'exclus pas ne pas en faire sur ma chaîne. Je pense que à un moment peut-être si. Parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui commence beaucoup de jeux mais qui ne les finit pas. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis sur Monster Hunter, demain je peux être sur Elden Ring ou autre. Donc en fonction de mes envies, si j'ai envie de faire Elden Ring un matin en stream, je ferai du Elden Ring. Je préfère pas annoncer quand. Ça pop n'importe ça viendra. Ouais voilà, ça viendra quand ça viendra. Tout ça. En vrai, moi j'adore regarder, hein. C'est cool hein. Genre, Shake Bang, il en fait beaucoup. J'adore le regarder faire des tries. J'adore y regarder des potes aussi dessus. C'est ok, mais le jouer, ils vont bien se faire foutre. Elle a été traumatisée là. Pour comprendre, c'est vrai que c'est un certain style, Elden Ring. Bon, chers amis, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne émission avec moi. Ça a été un plaisir d'animer cela avec vous. Oui. C'était fort sympathique. C'était voilà. Sympathique. Oui. On te reverra. Ah, pardon, j'en suis pris plein la mouille. Du coup. Dans le starter, quoi. Écoute, avec plaisir, mon petit prisme. Bon, voilà. C'est ça que je voulais entendre. On vous souhaite une bonne journée sur GhostStream. Et quant à nous, moi, vous me revoyez tout à l'heure à 21h. Vous revoyez Chaussette demain pour du Sea of Thieves. Et vous reverrez Will demain pour du bon demain Super aussi. Mario Party Jamboree. Voilà. La bonne soirée sur GhostStream. Des bisous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bisous. Salut. Ciao.